Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film La drôle de vie de Timothy Green, version française de The Odd Life of Timothy Green, en combo Blu-ray DVD de Peter Hedge avec Jennifer Garner, Joel Edgerton, C.G. Adams, Diane West, Ron Livingston, Rosemary DeWitt et Michael Arden. C'est un film distribué par Walt Disney et disponible en magasin dès le 4 décembre 2012. Jim et Cindy souhaitent ardemment avoir un enfant, même si la nature en a décidé autrement. Ils continuent de croire en leur bonne étoile. Un soir de tempête, ils sont réveillés par la pluie et une étrange présence dans le jardin. Il s'agit de Timothy, qui deviendra rapidement leur fils adoptif. Le jeune garçon est curieux et généreux. L'entourage de Jim et de Cindy se demande d'où il vient, ce qui ne brime en rien le bonheur de la nouvelle famille. Papa et maman aimeraient plutôt savoir pourquoi des feuilles se retrouvent sur les jambes de Timothy. Selon la bande-annonce, on s'attend à voir un film quelque peu fantastique suite à l'apparition d'un jeune enfant sortant du jardin avec des feuilles aux jambes. Ces feuilles sont un élément clé qui nous donne quand même trop rapidement le dénouement de cette histoire. Malheureusement, le film veut trop rester dans le réalisme avec des situations de relations parentales où le jeune Timothy a d'étranges comportements dont certains font quand même sourire, les parents essayant d'agir eux correctement lors de ces situations. Jennifer Garner et Joel Edgerton proposent de bonnes performances en parents qui essaient de faire de leur mieux face aux situations imprévues qui leur arrivent, et le jeune C.G. Adams n'est pas nécessairement constant et manque d'assurance par moment pour nous faire croire à son personnage de Timothy. C'est quand même un film rempli de bons sentiments où on devrait tous voir le bon côté de chaque individu. Visuellement, cette édition Blu-ray offre un très bon transfert avec une image précise, avec des couleurs naturelles qui ressortent très bien lors des scènes extérieures. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste anglaise DVS stéréo et des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio avec le réalisateur Peter Hedge. On a This is Family, où les membres de la production parlent de l'histoire, des personnages, du script, des thèmes et des performances. On a des scènes supprimées. On a The Gift of Music, qui permet de suivre la genèse de la chanson This Gift et la musique du film. On a le vidéoclip de This Gift et également des bandes-annonces ainsi qu'une copie DVD. La drôle de vie de Timothy Green est un film familial classique, intéressant, avec une morale et une fin heureuse comme Disney sait le faire. Par contre, il ne sort pas des sentiers battus, il ne prend pas nécessairement assez de risques, ce qui l'empêche de se démarquer. Suite à mon visionnement, je peux seulement ressentir une légère déception. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.